Coup d'envoi de cette affiche de la 20e journée de Liga. Le FC Barcelone est en déplacement sur la pelouse de Levante. Un Barça privé de Dani Alves, suspendu de Neymar, blessé ou encore d'Andrés Iniesta. Et Nabil El Zarr qui cherche à gêner la sortie de Valdés. Et Martin Montoya également. Et l'ouverture du score en faveur de Levante. Lucas Vintra, l'international grec, qui vient inscrire son tout premier but en Liga, l'ancien défenseur du Panathinaikos. Ça fait 1-0. Et récupérer ce corner. Il a bien tiré ce corner. Et c'est une affaire de tête, décidément, dans cette première période. Erreur de marquage de la part de la défense de Levante. C'est Gérard Piqué qui permet au Barça d'égaliser. Gérard Piqué qui n'avait plus marqué depuis près d'un an en Liga. C'était le 10 février 2013. C'est lui qui permet au Barça de se relancer. Avec Messi qui tente de partir de loin et de s'appuyer sur Fabregas, la talonnade qui va retrouver Messi dans la surface de réparation, c'est repoussé et Xavi derrière Messi. Quelle occasion en faveur du Barça. Et Lionel Messi qui était visiblement en position de hors-jeu. La décision dans un second temps de Monsieur Del Cerro Grande, signalée par son assistant. Mais quelle occasion en faveur du FC Barcelone et de Lionel Messi d'inscrire son 9e but cette saison en championnat. En tout cas, Lionel Messi, s'il n'a pas encore le coffre, il a pris ce ballon avec ce petit 1-2, avec cette talonnade merveilleuse et cette parade dans un second temps de la part de Navas, même si le joueur de Levante est en train de réclamer un hors-jeu. C'est Fabregas qui a eu l'intelligence de remettre ce ballon à Messi, qui avait pris le meilleur sur Vintra dans son dos. Et en deux temps, Navas, sauvé par Juan Fran aussi. Planas qui est venu lui prêter main forte, il parvient à conserver et à écarter vers Ruben Garcia. Face au retour de Piqué, et l'arrêt de Victor Valdés. Attention à cette équipe de Levante qui est en train de bien terminer également cette rencontre avec Ivancic. La frappe d'Andreas Ivancic, et l'arrêt. L'horizontale de Victor Valdés. La bonne intervention de la défense de Levante. Tellio, il est passé Cristian Tellio, et l'arrêt. Mais entre elles, qui part en course, c'est terminé, l'explosion de l'Estadio Ciudad de Valencia, un but partout entre Levante et le FC Barcelone.